Ça, c'est donc on y en a dans la deuxième vidéo. Excusez-moi auprès de mon capteur de vidéo numéro 1 parce que j'ai un écran pas bien ajusté pour on te voit tout texte bien, mais comme moi, quand on a un document, donc il n'est pas tellement grave. Qu'on y a dans la deuxième vidéo, hein, pourquoi donnons-nous de l'importance à l'apologétique? Deux raisons, la Bible nous le demande. La raison nous le demande. Nous délivrons verset 1 dans la Bible, 1 Pierre 3, 15, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Deuxièmement, la raison nous le demande. Comment savoir où est la vérité dans ce labyrinthe de croyance, en religion, en bonne dénomination, sachez la différence entre religion et dénomination, religion, c'est judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme, ou bien l'autre toujours. Mais dans chaque religion, ça rejoint plusieurs branches. Et branches, ça relève aux dénominations. Par exemple, dans le christianisme, on peut avoir baptiste, ou bien pentecôtiste, ou bien adventiste, ou bien catholique, ou bien nazaréen, ou bien Calvary Chapel. Donc, ça, c'est dénomination. Donc, non seulement on a un paquet de religions, comprenez, nous avons trois seuls qui monothéistes, mais on a un paquet de l'autre. Et puis, dans chaque paquet, par exemple, dans le judaïsme, il y a plusieurs dénominations, par contre, non, mais il y a plusieurs, il y a un juif qui est orthodoxe, il y a un non-orthodoxe, il y a toute qualité de branche dans le judaïsme. Islam, même bagaille. Il y a un sunnite, chiite, toute qualité, etc. Donc, il faut nous comprendre, il faut nous connaître. Et ça, après ce cycle-là, vous voulez ça, en général, c'est que c'est l'examen. OK. Nous prenons la première, elle dit, la Bible nous le demande, la raison nous le demande, qu'on y en apprend la Bible, ne pas plier tout verset, mais nous quittons là comme référence pour nous-mêmes. Bon, et puis 3.15, ça c'est verset clé apologétique. Donc ça, quand même, dit, c'est que c'est l'examen qu'elle lit quand même, elle est obligée, lui-même. Okay. Donc, la Bible nous commande de défendre notre foi. 1 Pierre 3, 15. La Bible nous commande de réfuter des fausses idées sur Dieu. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, non seulement pour nous, dans l'esprit, non, mais mondo. Troisièmement, la Bible nous commande de pouvoir discerner les vrais et les faux prophètes. 1 Jean 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs sont des faux prophètes. Donc, il faut qu'on connaisse ça. Donc, il faut qu'on éprouve pour capable connaître. Donc, il est extrêmement important. OK, on a pour un petit pause. OK. Ensuite, la Bible, Jésus a modelé pour nous la correction des erreurs. Matthieu 22, 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, le monde ne comprend pas la Bible, ne comprend pas bon Dieu. Jésus était modelé tout pour nous. La réfutation des mauvais enseignements. Il dit dans Matthieu 15, 6, parler avec les pharisiens, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Surtout dans les églises des pays sous-développés, et en pile tradition plus que pas de parole de Dieu. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements de Dieu. Nous, j'en appelle l'église qui compte en tradition, yokembeyo, puis bon, c'est comme ça, bah, yo fête, le nom pas bah, la tête, nous font dit, si Christ est mollet, non, si on ne peut pas chanter Christ est mollet, comme son problème. Donc, faut nous faire attention avec bah, ça. Ensuite, Paul, qui s'est écrit pas bien ajusté toujours, non, mais. Obligé pour suivre. Paul te connaît résonner avec mon appel, dans les apôtres 17 et 16, songez à Athènes. Bon, Paul te connaît réfuter le monde qui est opposé à la vérité, Tite 1.9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable de parler avec Tite, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Paul nous demande de confronter les faux enseignements. On va lire ça déjà. Jésus-Christ dit nous ça tout. Paul te soutenait défense l'évangile dans tous les Philippiens 7. Il est juste que je pense ainsi. De vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous
qui tous participaient à la même grâce que moi. Jude, exhorté notre pour nous combattre pour la foi chrétienne. Donc, raison, ça est la Bible, raison tout. Raison, pas de monde qui doit aventurer pour croire en rien, en système de croyance, sans que pas juger de façon rationnelle, pour qu'on connaisse ce ça ou quoi la vérité. En général, le monde pas fait travail ça, mais là, à l'école, par exemple, c'est ça que je montre. Comment je montre, il faut analyser tout bagage. Mais c'est comme ça pour les taux pour croyance. Malheureusement, c'est ce que font beaucoup de gens dans le monde entier à travers l'histoire. Les gens sont des perceptions erronées pour ou contre un système de croyance. Et ces perceptions sont souvent basées sur les on-dit. Surtout les intellectuels, pour eux, ils ont une façon. Même le monde à l'école, ils apprennent, ils analysent tout bagaille, mais excepté la Bible. La Bible, c'est dans on dit. La Bible, qui ou pas qu'on est au même. Des hommes comme le professeur C.S. Lewis de l'Université de Oxford, Lee Strobel, un journaliste bien connu de Chicago Tribune, et d'autres ont entrepris, dans leur moment de doute sur le christianisme, mon sens, c'est la théorie, à examiner les faits et sont arrivés à la conclusion que la Bible est la parole de Dieu et que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est deux que nous avons, mais comme bon exemple, on va prendre un bon film, les Ben Hur, là. Monsieur, c'était un journaliste dans Chicago Tribune, tout le monde était au fond de ça, qui est monsieur là, quoi, en Wallace. Monsieur, c'est un monde qui était confronté pendant le long train, et puis mon dit ça, oh, c'est Wallace, journaliste Wallace, il dit oui. Il dit, nous sommes même les articouris, mais excepté leur parler de la Bible, leur parler de la religion, bien du christianisme. On a dit, pourquoi ça? Il dit, bon, leur parler de ça, oh, c'est le contraire, c'est comme si ce sont gros imbéciles. Ou sont bons intellectuels dans tout l'autre domaine, excepté ça. Il dit, il faudra faire des recherches pour comprendre qui ça que vous voyez, ça parler comme ça. Et bien, monsieur a fait recherche librement, mais monsieur est un chrétien. Nous sommes des chrétiens, certes, qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, mais nous avons beaucoup de non-croyants que nous côtoyons, qui non seulement ne croient pas en Dieu, mais n'entreprendront jamais la démarche pour savoir si le christianisme est vrai ou non. Nous devons être prêts pour leur donner une explication sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Moi, j'ai toujours eu un monde qui a parlé d'un pasteur qui a quitté l'église, et puis monsieur Vin, il dit qu'il était converti. Comme s'il était converti, qu'on y a, il était converti. Il retirait tête. Parce que le monde va comprendre. Si vous comprenez la Bible avec la parole de Dieu, pas de fait back. Nous trouvons dans l'évangile, il faut qu'on persévère là-dedans. Si vous persévérez là-dedans, vous ne pouvez jamais croire vrai. Les 10 commandements de l'apologétique, possédant des réponses à des questions difficiles et réfuter les vues non chrétiennes du monde religieux et laïque, ne se traduit pas automatiquement par une victoire pour le Christ. Aussi important que la connaissance de l'apologétique, que l'apologétique est la possibilité de l'appliquer de manière efficace, car, pardon, c'est la capacité à inciter les non-croyants à s'engager sur la voie où ils vont t'écouter, comprendre et prendre en considération la vérité de l'évangile. Donc, ça veut dire que automatiquement que on est capable de répondre à la question, on voit que tout le bagage est OK. On donc, les aussi important que capable inciter mon Dieu pour capable engager sur la voie. Ce chapitre contient des choses à faire et à ne pas faire de la politique. Et il est important pour nous, les chrétiens. Nous allons passer sur le sujet bien rapide. Mais il est important pour nous. Dans la section affaires, sont des principes et tactiques apologétiques clairs. Dans la section à ne pas faire, il y a des pièges de la mauvaise apologétique, des choses à éviter. Ensemble, ils fournissent les règles de base pour l'évangélisation apologétique efficace. Vous verrez ces principes appliqués fréquemment dans la suite de ce livret. D'abord l'évangile, ensuite l'apologétique. Ça veut dire que c'est l'évangile qui est important. Ce n'est pas l'apologétique, ce n'est pas la défense. C'est l'évangile. Regardez le reconnaître, vous pouvez tout parler. Côté pour aller, juste réciter verset. On va faire ça, on va réciter verset. Bien que l'apologétique soit un outil précieux de l'évangélisation, un outil indispensable à certains moments, l'évangile du Christ est ce que les gens doivent finalement entendre pour être sauvés. Nous montrons ça dans le commencement. Il est faux de supposer que chaque non-croyant nourrit des objections intellectuelles au christianisme. Non, il y a des objections ça. Donc, ce n'est pas toute situation d'évangélisation qui nécessite une défense apologétique. Essayez toujours de commencer par l'évangile. Si le non-croyant répond à l'évangile,
s'arrêter là. Parfois, il n'est pas possible de commencer par l'évangile. Dans de nombreuses rencontres avec les incroyants, vous vous trouverez face au défi de répondre à des questions concernant des problèmes très éloignés. C'est ça ou pas appliquer l'apologétique. Le travail de l'apologétique est d'ouvrir la voie à une présentation de l'évangile. Donc, songez, c'est l'évangile d'abord, l'apologétique ensuite. Si pas de porte pour l'évangile là, l'apologétique là capable de faire porte pour. Ne vous éloignez pas de l'essentiel. Il y a mon capon, il y a pour y avoir, allez dans bonne notre bagage. La plupart des non-croyants savent peu de choses sur la Bible ou ce que les chrétiens croient. Même les chrétiens pas comme ça, quoi. Et ce qu'ils pensent qu'ils savent est souvent une erreur. Dans son livre Code in the Dock, C.S. Lewis décrit la formation du club socratique à Oxford, qui c'est la plus grande université en Angleterre, dans les années 1940. Le club s'est réuni chaque semaine pour débattre avec les sceptiques les avantages et les inconvénients du christianisme. Lewis raconte que nous, du Parti chrétien, on vite réalisé que le poids de l'attaque sceptique n'a pas été, n'a était pas toujours là où on s'y attendait. Nos adversaires avaient à corriger d'abord ce qui nous semble être leur ignorance presque totale de la foi qu'ils croyaient devoir rejeter. Ça, moi, j'en ai un pile tout. Ensuite, en Haïti, il y a un pile, mon intellectuel en Haïti, que je ne parle pas avec personnellement, moi, peut-être dans la radio, dans la télévision, comme si. Et puis, ouais, il y a là des gens qui prêchent l'évangile, mais qui ne comprennent pas. De prendre des intellectuels qui ne sont pas chrétiens du tout, mais là, on a parlé de la foi chrétienne, ouais, comme si c'est, mais t'es chargé, moi, on n'a pas connu, c'est la bien du tout, mais elle connaît, OK? Donc, fais un pile attention avec ça. Bonne fée, et guette-le, c'est enseigner, c'est, pardon, enseigner pour enseigner mon nom, ou bien informer pour nous, pour informer mon nom. En bref, ne vous éloignez pas de l'essentiel, c'est ça qui est essentiel, et ça, faut regarder bien ça. Il okay? Faut regarder ça. Songez l'évangile là, dans 1 Corinthiens 15, Jacques Notewell, dans début. Hein. Jean 6, 44, nul ne veut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Pour ça, c'est important. C'est bon Dieu qui a fait le dernier travail là. Moi, je comprends, moi, j'ai un monde qui était dans la classe, moi, là, et puis, il comprend l'évangile très bien, mais il n'est pas intéressé. Donc, il n'y a pas pour moi déranger dans ça. OK? OK. La loi, l'évangile et l'apologétique sont des outils du Saint-Esprit. Ces outils connaissent la loi, comme si par exemple les 10 commandements et les autres lois, la loi et les prophètes. Tout ça que la Bible dit, que ça, on doit faire ou ne doit pas faire. Okay? Ils ont qu'à utiliser comme outils. L'évangile, c'est les mêmes qui sont plus importants. L'apologétique, tout la bouvre porte. Okay? Donc, songez ça. Ensuite, n'oubliez pas votre objectif. C'est important. Pas oublier l'objectif. L'apologétique chrétienne peut être un instrument de Dieu pour amener les incroyants dans le royaume. Donc, songez au même, la discussion qui est intéressante, c'est pas que tes conversations allaient trop loin, toujours essayer de retirer les. Okay? Par exemple, on a parlé d'évolution. Okay? Pour beaucoup d'incrédules, l'évolution est un obstacle à la foi. Ils supposent que l'évolution réfute la création, ce qui démontre que la Bible est dans l'erreur. Mais l'évolution ne doit pas être un obstacle au christianisme. On peut croire à l'évolution et continuer à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okay? Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Moi, j'ai mon connaît qui un grand pasteur, moi, quand donne tout le temps, comme s'il n'y a pas qu'on a évolution, j'ai mon là que mon lanté gain Big Bang, mais il croit dans l'évolution que l'être humain a évolué. Mais il y a une partie de vérité dans ça. Alors, regardez-le, par exemple, grand-mère quitter, même plus que l'adaptation, grand-mère quitter le monde qui est en dehors. Le petit monde mal en dehors du failli, avant qu'il y ait dehors, mais en balai, en Haïti. Pour moi, elle fait vacances. Notre petit monde, le rap couille, vient joindre, et puis lui-même, le connaît, on est maillé, en trois roches, du bois, charbon, bah, etc. Quand il y a un charbon du qu'on a été à lui, on ne parle pas de pile, il a mis pile sur lui. Parce que pile lui-même, tellement a été longtemps, il va mettre sur lui souvent. Il vient faire des corps, il vient du, mais si pieds pas non, lui-même, il connaît si nos pieds l'ont boulé, mais les mêmes pieds lui viennent adapter avec ça. OK? Donc, l'avenir des païens, c'est mon deuxième exemple, on n'était pas évolution comme exemple, sans que dans le sens, ça c'est n'oubliez pas votre objectif, il faut qu'on a parlé d'autres sujets, d'évolution, l'avenir des païens, bon, qui c'est. Il y a l'autre bagarre encore, on a dit qu'il y a un monde qui est en Afrique qui n'a jamais entendu l'évangile. Bon, qui chauffe qu'on est en Afrique, là, pas jamais entendu l'évangile.
Comme si c'est une sorte de préjugé qu'on aurait gagné. En fait, l'évangile en Afrique, avant d'aller en Europe. Vous comprenez? Donc, toujours écarter ce sujet-là pour ne pas quitter que vous venez de faire, que vous venez de faire, même qui faut parler, et puis, essentiellement, pas faire. OK? Le but ultime de l'apologétique est d'amener les incroyants à l'endroit où ils doivent admettre, même si c'est seulement pour eux-mêmes, que s'ils rejettent Jésus-Christ, ils ne le font pas pour des raisons intellectuelles. Donc, c'est ça qui est important pour nous-mêmes. Okay? On le dirait encore, c'est ne jamais donner de problème aux gens. Nous ne devrions jamais forcer okay? l'apologétique sur quelqu'un ou créer des motifs illégitimes de l'utiliser. Étudier l'apologétique peut être si affirmant à la fois qu'il conduit fréquemment à un nouveau zèle pour l'évangélisation. J'espère, mais les cas viennent arrogants, tout fait attention. J'espère que c'est le cas pour vous. L'impulsion est de sortir et de faire face à toutes les incrédules que vous connaissez et confronter les idées fausses. Okay? Donc, toutefois, n'oubliez pas la règle numéro 1. L'évangile d'abord, l'apologétique ensuite. Donc, l'extrêmement important. Et puis, découvrir le vrai problème. L'autre règle encore. Parce que quand vous avez des problèmes, vous n'avez avec l'évangile ni avec la Bible, sur l'autre problème, vous avez. Donc, l'autre jeune, ça, au moins, il faut regarder l'autre problème, non, et puis parler de l'autre problème, non, résoudre l'autre problème, non, mais pas quitter ces. Éviter les distractions. De, OK? Il y a plein de monde en Haïti qui prennent la distraction. Il y a un monde à fumer, et puis il faut focaliser sur le fumer. Il y a un monde à fiar, il y a un monde à domino, il y a un monde à fumer avec par les mains. Il y a un monde à danser, la lambal, ceci, et puis c'est pas ça qu'il a gardé. Il n'y a pas un mode de vie qui est intéressant. C'est Jésus qui a fait travail dans la vie du monde. C'est lui qui change le monde. C'est pas vous-même. Pas garder le monde avec préjugés. La Bible dit non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui êtes venus fatigués et chargés, bon Dieu, pas le repos. C'est pas vous-même qui vous faites travail ça. Évitez les questions périphériques, tout le monde a pris en train de l'autre bagaille, l'autre petit bagaille qui n'a pas d'importance, il faut toujours ramener des discussions vers Christ, vers l'évangile. Ensuite, la règle, c'est appliquer les techniques évangélisatrices et missionnaires. Okay? Utiliser témoignages, utiliser les 10 commandements. Il y a plusieurs méthodes d'évangélisation qui doivent faire connaissance avec eux et puis utiliser eux. Okay? Ensuite, être sûr de votre croyance ou même, sous pas sur le tête, qui va faire, qui va faire travail là. Okay? Ensuite, savoir en quoi les non-croyants croient. Faut qu'on connaisse tout, faut qu'on bien informé. Okay? Donc, nous laissons être sûr de votre croyance, la politique défensive, vous allez défendre parce qu'on a qui sait quoi. Et puis, qu'on a qui sait même, yo quoi. Ça, c'est la politique offensive. Donc, balayons, quittez-nous pour nous lire, ne soyez pas intimidés. Okay? Quand je ne suis pas obligé de connaître tout le bagage, si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Connaît. Okay? Mais il faut connaître au moins dans qui ça croit. C'est ça que mon Dieu qu'il m'a donné. Okay? L'autre règle encore, c'est garder la bonne attitude. Changer douceur, respect. Vous n'avez pas besoin d'en connaître. Et pas connaître les gens. Pas d'en jouer. Pas d'en parler comme ça. Comme si il y a des gens qui jouent, qui critiquent. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Ok? Ouais, question pertinente, croire à la Bible. Bon, il y a un peu de livre qui est écrit, il y a un peu de preuve, ok, de la Bible. Mais ça qui est plus important, numéro un, pour le monde qui connaît la Bible, c'est la prophétie biblique qui est accomplie. Ça n'a pas bien sorti là-dedans. Peut-être, on va se mettre à faire à parler de la prophétie biblique. Exactitude scientifique, tout. Nous avons un bon bagage de la Bible que la science vient découvrir jusqu'après. Okay, la rondeur de la terre est ronde comme une boule, comme une orange, mais la science quoi que la terre est plate. Vous comprenez? Mais, et ça a été parlé de ça depuis avant ça, que la terre est ronde. Vous comprenez? Il y a un bloc qui va la tour, ça c'est quelques. Il y a, par exemple, dans la mathématique, pi, qui c'est 3,14, premier côté que l'utilisation dans la Bible. Okay? Donc, la structure unique, 40 hauteurs, okay, sur un espace de 200 années. Qui écrit 66 livres, et puis une entrée dans l'autre, bien imbriquée dans l'autre. Ensuite, nous avons, et nous sommes en structure unique là, mais effet autour, et les effets uniques de la Bible, mais aussi, ce témoignage autour, que le gain en termes des effets sur l'individu, témoignage de la vie. Donc, on témoigne la vie, ok? C'est là que nous avons été, dans la deuxième vidéo, nous avons souhaité une bonne chance avec l'examen, qui nous parle. Après, nous avons un document là maintenant, nous sommes capables de lire cela, que bon Dieu bénisse nous.